Dans cette vidéo, vous allez apprendre à reconnaître parmi vos photos de paysages celles qui valent le coup d'être peintes à l'aquarelle. Je suis Rémi Lac, peintre aquarelliste, et je vous apprends à peindre des paysages lumineux et chargés d'émotions à l'aquarelle. Si mon style de peinture vous plaît, je propose un cours complet et gratuit à l'aquarelle où je vous explique en temps réel et dans la langue de Molière, comment je peins un paysage à l'aquarelle. Je vous montre tout le matériel que j'utilise, comment préparer le papier et ce à quoi vous devez penser avant de commencer à peindre. Si ce cours vous intéresse, il est disponible en cliquant sur le lien dans la description de cette vidéo ou dans le lien présent juste en dessous de cette vidéo. Allez, trêve de blabla et passons au sujet du jour. La première chose que je fais lorsque je souhaite peindre, c'est de chercher une photo. Mais la première question qui me vient à l'esprit, c'est comment est-ce que je sais que cette photo est intéressante à peindre? En défilant les photos que vous avez en stock, vous vous êtes peut-être déjà dit, tiens, cette photo à l'aquarelle, ça pourrait vraiment faire une belle toile. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a une vraie différence entre une belle photo et une belle aquarelle. Le problème, lorsqu'on ne cherche que de belles photos, c'est qu'on peut passer à côté de pas mal de photos qui ont un très bon potentiel pour être peintes à l'aquarelle, mais lorsqu'on les voit juste en photo, elles n'ont pas l'air si convaincantes que ça. Et de plus, si vous vous concentrez uniquement sur des photos magnifiques, il se peut que vous n'obteniez pas l'effet escompté lorsque vous verrez le résultat à l'aquarelle. A contrario, une photo de rue qui ne paye pas de mine peut aboutir à une aquarelle qui communique une véritable ambiance. Et pour preuve, cette aquarelle a reçu de nombreux retours positifs et même elle a été vendue assez rapidement. En fait, le secret des belles peintures et non pas des belles photos est qu'elles ont une composition qui fonctionne. La composition est l'élément qui permet à l'œil de se promener dans la peinture. La composition, en quelque sorte, c'est une invitation à l'exploration. Alors, vous allez me demander, mais qu'est-ce qu'une bonne composition? Il y a 5 types de compositions qui fonctionnent bien à l'aquarelle. Je vais vous les expliquer en détail en me basant sur mes propres peintures. C'est parti! On va commencer par le premier des 5 éléments de composition importants dans un paysage, qui est la composition horizontale. Sur cette première photo, on peut voir que on a quand même quelque chose, un paysage donc maritime plutôt, avec une composition fortement horizontale. Et globalement, vous pouvez retenir que toutes les compositions maritimes où il y a de la mer qui est assez calme, donc pas un temps de tempête, c'est une composition qui est plutôt horizontale. L'horizontalité, ça communique de la sérénité, de la paisibilité, de la stabilité. Ce genre de photo, lorsque je l'ai vue, je me suis dit, tiens, ça peut être intéressant de vraiment communiquer une sensation de calme et de sérénité. Alors là, je vous montre la peinture. J'ai renforcé certains traits horizontaux pour renforcer cette impression de stabilité. Et en termes de choix de couleurs, j'ai pris des couleurs plutôt claires, limite un peu pastel, vert, vert froid. Mais voilà, on reste sur des tons relativement clairs. Et du coup, ça rend la peinture cohérente et ça permet à la composition de fonctionner. La deuxième photo que je voudrais vous montrer, c'est une photo prise au Japon dans un jardin, plutôt un jardin zen. Alors ici, c'est pas évident de voir l'effet vraiment composition horizontale, mais ce qui m'a frappé en observant cette photo, c'est bon déjà l'environnement quand je l'avais pris était vraiment calme. Et il y a de l'eau déjà, il y a de l'eau, donc l'eau ça communique vraiment cette composition horizontale ainsi que le petit îlot sur lequel repose la statue. Et là on a vraiment quelque chose de bien adapté à une composition horizontale. Je vais vous montrer la peinture. Voilà, donc là vous pouvez voir en termes
En termes de peinture, qu'on a une composition qui est relativement horizontale, avec des couleurs, des choix de couleurs plutôt pastel, donc plutôt orangé, légèrement bleuté, légèrement rosé, et ça permet à la peinture de bien fonctionner puisque la notion de sérénité, le sentiment de sérénité et de paisibilité et fonctionne. Le deuxième type de composition, ça va être la composition plutôt verticale. La verticalité, ça communique quelque chose qui va à l'encontre de la gravité. C'est beaucoup plus actif que la composition horizontale. Sur cette première peinture, il y a une vidéo YouTube d'ailleurs qui existe sur ma chaîne. Sur cette première peinture, c'est la statue qui est vraiment verticale et qui ressort complètement dans la peinture. Et je vais vous montrer d'ailleurs la peinture. Voilà, ici, on a une peinture qui fonctionne parce qu'on a une composition verticale très forte, centrée, et qui met tout l'accent sur la statue. Et tout le reste de la peinture ne fait que mettre en avant la statue, pardon. Une autre photo que j'aimerais vous montrer, c'est tout ce qui est clocher, église. Ça fonctionne plutôt bien. En termes de composition verticale, on a donc un bâtiment qui se retrouve dans beaucoup de paysages et qui est un élément très très intéressant à utiliser. Alors, je vais vous montrer la peinture. Ici, le choix de la peinture, il est assez éloigné de la photo. Mais l'ambiance que je voulais communiquer, c'était une ambiance plutôt humide. Mais ce qui est vraiment intéressant de noter, c'est que le clocher, je l'ai beaucoup plus renforcé en termes de composition verticale que dans la photo. Et ça fonctionne, puisque c'est vraiment l'élément qui ressort ici. Et si on retire le clocher, on a une peinture qui est beaucoup moins intéressante. La troisième composition, c'est la composition en diagonale. Et là, typiquement, on rentre dans des notions de perspective. Alors, toutes les photos de rue que vous avez pu prendre sont très bien adaptées pour cette composition diagonale, donc plutôt en perspective. Et notamment ici, ce que je peux vous montrer, c'est une photo prise au Japon avec une perspective, pardon, assez forte sur les bâtiments et sur la rue. Au niveau de la photo, j'ai beaucoup simplifié, mais ça fonctionne quand même, puisqu'on a une ambiance un peu éthérée et froide. Et ici, on a des diagonales très fortes, trois diagonales très fortes, qui sont celles-là, les deux de la rue, les deux de la chaussée, et celles des bâtiments. Donc cette composition-là, c'est une composition très très classique en peinture et ça fonctionne tout le temps très bien. L'autre photo que je voulais vous montrer, qui se base aussi sur des compositions en diagonale, c'est une photo d'une station ferroviaire. Et quand j'ai vu cette photo, en fait, je me suis dit, tiens, c'est intéressant parce que on a le train qui est composé de deux grandes diagonales. Donc en termes de composition, ça donne des indicateurs que ça va bien fonctionner. Et derrière, le quai et le mur de gauche rajoutent encore des diagonales. Donc je vais vous montrer la peinture. Voilà la peinture. Alors c'est une peinture que je vais mettre sur ma chaîne YouTube si elle n'est pas déjà mise. Et ici, ce qui est intéressant de noter, c'est que donc on a bien sûr ces deux grandes diagonales pour le train. On a la diagonale du quai et on a également d'autres diagonales pour les murs ainsi que le toit de la gare. Mais j'ai renforcé les diagonales liées aux ombres pour pouvoir nous emmener encore plus dans la peinture. Et la conséquence de ça, c'est que je trouve que la peinture fonctionne encore mieux que la. Un autre exemple de composition en diagonale. Pour vous montrer que ça s'applique pas uniquement à des rues ou à des sols, c'est cette photo-là prise en hiver à la montagne avec une vue en plongée et de très très fortes diagonales délimitées par les montagnes, mais également par les chalets et aussi par les fils des télésièges. On a, comme vous pouvez le voir,
des diagonales ici qui sont plutôt délimitées par des contrastes et non pas par des lignes bien, bien démarquées. Et ici, on a d'autres diagonales. En fait, tout converge et même, comme je vous ai dit, les fils des remontées mécaniques convergent également vers le point focal. Donc, ça, cette peinture-là, elle fonctionne bien. J'ai eu de très bons retours dessus et c'est pour vous montrer que ça s'applique pas uniquement à des paysages de rue, ça s'applique vraiment à beaucoup d'autres types de paysages. Donc il faut juste regarder les photos avec le prisme de ces éléments de composition et vous allez voir que on peut sortir des sentiers battus et quand même extraire des photos qui sont très intéressantes en termes de composition. Alors, le quatrième type de composition qui est intéressant, je peux vous tout de suite vous montrer la photo. C'est une peinture qui a été vendue d'ailleurs. Donc, je n'ai pas la photo, mais je vais vous la montrer. Enfin, je n'ai pas la peinture, mais je vais vous la montrer en digital. Voici la photo. On a ici une composition plutôt horizontale, puisque on a l'étang avec une composition légèrement verticale avec les deux arbres et leur reflet qui coupe de manière verticale le paysage. Et ce qui est intéressant ici de voir, c'est le premier plan qui forme une sorte de courbe. Donc ça, c'est le quatrième élément de composition, c'est l'arche. L'arche, ça fonctionne très très bien en termes de composition puisque ça oriente l'œil vers le passage créé par cette arche. Donc ça peut être du feuillage, ça peut être des ponts, ça peut être par exemple l'arc de triomphe, une arche, vraiment au sens propre. Et on a ici des compositions qui fonctionnent très bien. Donc si je vous montre la peinture, vous voyez que j'ai vraiment renforcé le premier plan pour créer cet effet d'arche et les effets sont plutôt bons sur cette peinture parce que les retours que j'ai eus ont été très positifs. Le cinquième et dernier élément de composition concerne tous les éléments de composition en zigzag. Et la première photo que je voudrais vous montrer ici, c'est la photo d'un fleuve en zigzag, prise en Islande. Et tout de suite, ce qui a attiré mon attention en regardant cette photo, voilà, c'est le fleuve, c'est l'arrière-plan. Et alors, j'ai pas pour habitude de faire d'un arrière-plan toute une peinture, mais c'est exactement ce qui s'est passé ici. D'ailleurs, cette photo, enfin cette peinture est disponible sur la chaîne YouTube. Et vous pouvez voir que les zigzags, avec un fort contraste d'ailleurs du fleuve par rapport à la terre autour, permettent d'avoir une très très bonne composition et d'emmener l'œil au loin. Donc là, je vais vous montrer la peinture. Voilà la peinture. Ici, on a quelque chose qui est... Alors, le fleuve, c'est vraiment du blanc du papier qui ressort très fortement par rapport à la terre très sombre. Et ici, on a une composition qui fonctionne très très bien parce que ça nous emmène au loin et jusqu'à l'arrière-plan. L'autre photo que je voudrais vous montrer, c'est que les compositions en zigzag ne se limitent pas uniquement au fleuve, même si ça s'y prête très très bien. On a ici une photo d'un ciel avec des nuages qui sont en forme de zigzag. Et en voyant cette photo, je me suis dit, tiens, ça c'est très intéressant, je vais essayer de le peindre et je vais vous montrer la peinture. Donc voilà la peinture, on a ici un contraste qui est assez fort entre les nuages et ça nous emmène plutôt bien, en fait ça nous emmène et ça nous permet de circuler au sein de la peinture. Et si on retire tous ces nuages, je pense que que la peinture sera moins intéressante. Et cette peinture-là, je vous la montre aussi
pour vous indiquer que les zigzags ne se limitent pas uniquement au fleuve. Ça peut se retrouver dans ce schéma en fait de courbes, se retrouve dans énormément de paysages. Et notamment, la dernière photo, c'est une photo de montagne où ce qui a tout de suite attiré mon attention, c'était l'arrière-plan avec un soleil magnifique, des montagnes en arrière-plan qui renforcent vraiment cette impression de lumière et un premier plan assez froid. Mais alors, un premier plan qui est vraiment prédominant, l'impression que ça m'a donné de prime abord, c'était ça va être très compliqué de peindre ça puisque le premier plan prend quasiment les deux tiers, voire les trois quarts de la peinture. Et je vais vous montrer la peinture. Voilà la peinture, on a quelque chose qui fonctionne dans la mesure où on a un premier plan qui est certes très très présent, mais grâce à tous ces zigzags-là, ça allège le premier plan, ça permet de circuler à l'intérieur, alors que si on avait une grosse masse bleue, on aurait eu du mal à naviguer au sein de la peinture pour nous emmener jusqu'à l'arrière-plan. Donc ici, c'est intéressant de voir que sur des sujets assez diversifiés, on a des éléments de composition qui ressortent. Donc ce que je vous invite à faire, c'est de faire une passe sur vos photos de paysages que vous aimeriez peindre et d'essayer d'identifier parmi ces cinq éléments de composition lesquels sont prédominants dans vos photos, sachant que dans une photo, il se peut qu'il y ait différents éléments qui se mélangent. Par exemple, lorsqu'on a un clocher, on a souvent une photo de la rue, et donc on a une composition à la fois en diagonale et à la fois verticale. Merci pour le temps que vous m'avez accordé. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous avez la moindre question, n'hésitez pas à me contacter en m'envoyant un mail à remy@remylac.com. Je me ferai un plaisir d'y répondre. Si cette vidéo vous a plu, sachez que je propose un cours gratuit et complet à l'aquarelle où je vous montre en temps réel comment je peins un paysage. Et je vous explique également tout le matériel que j'utilise, comment préparer le papier et également ce à quoi il faut que vous pensiez avant de mettre le premier coup de pinceau. Pour accéder à ce cours gratuit, vous pouvez cliquer sur le lien présent dans la description de cette vidéo ou sur le lien juste en dessous de cette vidéo. Merci pour votre attention et à très bientôt.